Bonsoir à tous. Bonsoir. Enfin, bonsoir ou bonjour ou bon après-midi. Vous avez trouvé facilement? Oui, oui. Vous avez trouvé une place de parking? Non. En fait, je sais très bien que vous n'êtes pas venu en voiture, que vous n'avez pas trouvé de place de parking. Mais c'est le metteur en scène du spectacle qui m'a dit « Trouve l'aise avec le public ». C'est très important de « Voilà, c'est chouette, tout le monde est… » Enfin, moi, il faut absolument que je me sente à l'aise et qu'on sente que j'ai pas peur, que le rapport, il est super. C'est très, très important, surtout pour ce spectacle, justement. On a parlé beaucoup de… Enfin, il m'a dit en même temps très à l'aise et en même temps tenu. Ça veut rien dire, en fait. C'est pour ça que je faisais lui, là, quand il y en a certains qui sont arrivés, je faisais lui, ok? Ça sert à rien. J'ai pas besoin de faire le lit j'aurais pu le faire avant. Mais c'est pour me donner une contenance, faire comme si je faisais quelque chose. C'est complètement débile comme idée de mise en scène, mais bon. Enfin bref. Parce qu'il m'a dit, sois à l'aise. Alors moi, je fais le mec à l'aise, mais je suis un peu comme les cygnes. C'est-à-dire que quand vous voyez un cygne nager, c'est beau, c'est majestueux, mais vous voyez pas les petites pattes en bas qui font comme ça. C'est du Sprite. C'est dégueulasse. Enfin, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Mais c'est pas terrible. Parce que le problème quand tu bois plus, c'est que tu sais jamais quoi boire, en fait. Quand tu bois, c'est pas un problème de boire 4 bières, 5 bières, 6 bières, 7 coupes de champagne, 10 coupes de champagne. C'est toujours sympa. Mais quand tu bois pas, je vois pas l'intérêt de boire 9 cacolac, 12 Perrier. Et puis il y a un autre truc un peu compliqué quand tu bois pas, c'est qu'après le spectacle, c'est vrai que souvent je sors, voilà, je vais dans la cour là, et au bar, je vois tous mes copains, ils font la fête, ils boivent des coups, ils rigolent, ils se marrent, ils parlent, ils sont contents, et moi je suis tout coincé, j'ai rien à dire en fait. Je fais un effort, je me dis, mais va leur parler, écoute les autres, intéresse-toi aux gens. Alors j'y vais, mais quand j'entends les conneries qu'ils disent quand ils sont bourrés, je me dis, bon, mais ça va, je rate rien en fait. Et puis de toute façon, je vois pas pourquoi je devrais me taper les conneries d'un mec qui dit n'importe quoi parce qu'il est bourré, alors que j'ai un super bouquin qui m'attend à la maison. Alors... je rentre dans la nuit et je me récite la prière de la sérénité. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. C'est classe, hein, c'est beau.